salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais tester deux manettes qui m'ont été envoyées par la boutique EasySMX, une boutique que je ne connaissais pas du tout mais qui sont spécialisées dans le gaming, que ce soit avec des manettes, des claviers, des chaises, des casques, bref. Il m'a envoyé ces deux manettes Red Storm apparemment pour Nintendo Switch mais qui est également compatible avec votre ordinateur. Bien, nous sommes ici ensemble pour tester leurs produits. Le déballage va être rapide sur ce type de produit, vous aurez le strict minimum en commençant par un câble USB-C pour le rechargement et enfin une notice traduite en plusieurs langues dont le français. Je vais vous passer la lecture de la notice et commencer par une synchronisation avec la Nintendo Switch en restant appuyé sur le bouton Home plus Y lorsque vous êtes dans le menu synchronisation des manettes. Je n'ai pas eu de souci de synchronisation sur les deux manettes reçues pour le moment, tout se passe bien. La manette de couleur blanche est assez jolie et originale, en tout cas elle me plaît bien visuellement. Cela dépendra de vos goûts bien entendu, mais apparemment ils ont énormément de choix concernant les couleurs. Pour ce qui est des boutons disponibles, eh bien il s'agit ni plus ni moins de la même chose que ce que propose Nintendo avec sa manette Switch Pro. Au vu du tarif très compétitif de la manette, je me suis dit que j'aurais sûrement un problème du temps de réponse entre l'action que je vais faire avec la manette et la réception de la Nintendo Switch, mais honnêtement, pour ce qui est de la maniabilité, je n'ai constaté aucun souci de ce genre, alors que ça m'était déjà arrivé sur des manettes bas de gamme. Peut-être sommes-nous sur des manettes moyenne gamme vendues à bas prix. Vous aurez la possibilité de changer l'intensité des LED avec une super combinaison touche ZL plus ZR plus R3 et enfin la croix directionnelle haut ou bas. Bon, ce n'est pas ce que j'ai vu de plus simple à effectuer comme manipulation, mais c'est faisable. Vous l'avez sûrement vu sur ma chaîne, mais j'ai reçu quelques manettes, toutes différentes les unes que les autres, et il arrive comme ici que toutes les fonctionnalités ne soient pas disponibles, en commençant par la sortie de veille via la manette qui sur ce modèle ne sera pas disponible. Il faudra alors sortir manuellement de la veille via le bouton d'allumage de la Nintendo Switch. Cela ne se voit peut-être pas en vidéo, mais j'ai essayé de régler l'intensité des moteurs pour la vibration, mais honnêtement à aucun moment je n'ai ressenti une seule vibration. J'ai pourtant lu la notice qui n'est peut-être pas bien traduite, mais rien que pour ça je pourrais vous dire que je suis déçu à ce niveau là, car j'ai reçu quand même deux manettes, je me suis dit qu'au moins l'une fonctionnerait. Pourtant j'ai été sur leur site pour me renseigner au niveau des doubles moteurs, en tant qu'utilisateur je devais vous en informer. J'ai été sur Amazon pour rechercher les questions-réponses aux produits et apparemment je ne suis pas le seul dans ce cas, même si moi je n'ai pas eu le problème avec la luminosité comme sur cette capture. J'ai essayé trois jeux différents, le constat est le même. Mis à part ce souci qui est malgré tout important, la manette répond réellement bien et elle est bien plus légère que la manette originale Switch Pro. Bien entendu, pour ce prix là vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser vos amiibo via le NFC. Alors que penser de ces deux manettes en toute franchise? Eh bien je suis partagé par le fait que je n'ai pas réussi à faire fonctionner les moteurs, donc pour la vibration, et le fait que je trouve ces manettes jolies avec un prix relativement bas. Alors j'aurais tendance à vous dire que si vous avez un tout petit budget et que la vibration présente ou non n'est pas un problème, alors pourquoi pas, car au final je la trouve plutôt sympathique cette manette. Merci quand même à EasySMX de m'avoir envoyé ces deux manettes. C'était ROUFNA. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.